Bonjour et bienvenue, c'est Béné. On se retrouve pour le 25e épisode. 25 ou 26? Le dernier, c'était un live, c'était le 24. Ouais, 25e épisode du Let's Play sur Assassin's Creed Brotherhood. Voilà, dans le dernier épisode, on avait fait un petit live bien sympathique. Petit live de 2 heures, je pense qu'on en refera un assez vite. Ce qu'on va faire dans cet épisode, d'abord, on va aller au point d'observation. On va essayer de finir les points d'observation, ça serait bien avancer de ce côté là et on ira peut-être peut-être voir une mission Christina, ou je vais voir, on va essayer de finir un peu les points d'observation et les postes de garde là. Je sais pas comment on appelle ça, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, j'en ai 3, ça va. Un point d'observation qui est là. Ici, je crois qu'il y a un... Ah oui. Il y a une entrée de Romulus. Mais je l'ai faite, celle-là. Ouais, je l'ai faite. Ouais, je l'ai faite. Donc, c'est ici. C'est où? Ok. On peut pas y aller là-bas. On peut pas y aller, donc ce qu'on va faire, les gars, pas s'emmerder, on va aller directement là-bas et on va faire une petite ellipse. Donc je vous dis à de suite. Ok, on se retrouve ici, je vous montre, parce que je peux littéralement pas passer là-bas. Donc on va faire la mission qu'il y a là-bas et voilà, on fera peut-être le point d'observation qu'il y a plus loin qui est gardé. Je pense qu'on peut accéder. Donc on se retrouve ici, et c'est parti. Donc il va falloir aller voir Bartholoméo encore, non? Ouais, je pense que c'est ça. Let's go. Alors, quel est ton plan? Une fois entrés, tes hommes pourront neutraliser les patrouilles du camp, pas vrai? Oui, mais... Et ce serait encore plus facile si nous les prenions par surprise. Ma certo. Nous allons dérober des armures aux soldats français. Et demain, dès l'aube, ils nous laisseront entrer. Ezio Auditore. Voilà un homme qui sait faire vibrer mon cœur. Magnifico. Je m'occuperai des armures. Mes hommes les récupéreront sur les morts. Puis nous partirons du nord pour ne pas attirer l'attention sur nous. Et Ezio... Essaie de les tuer sans te faire repérer. Leurs armures doivent rester en bon état. Ok, donc usé d'un stratagème pour tromper le baron de Valois, assassiner 20 soldats français dans la ruine romaine pour que les hommes de Bartholoméo s'emparent de leur armure. Ok. C'est parti. Tuer 20 soldats français. Ah ouais, quand même, ils sont... Tiens, on va recommencer par celui-là. C'est parti, donc faut tuer 20 soldats français. Et on verra bien. Hein. Mais je me suis trompé. Soldat tué 3. Okay. 4. 5. 6. Non, c'est... Non, c'est pas ça. C'est ça. Et je me trompe de bouton à chaque fois. Ok. Ok, fais vite. Je connais cette province. Arrêtez-le. Ok.
Allez. Ça fait 9. Ça fait 10. On va aller là-bas. Sur 11 soldats. C'est cool, hein. Ok. Ça fait 14. Allez. Allez. Allez les gars. Ok. Super. 17 18 19. Voilà. On voit qu'un à tuer. Par contre, arrête de le viser. Vas-y, on va aller là-bas. Hein. On en manque un à tuer. On va aller au plus près. Allez, allez, allez. On va laisser les assassins s'en occuper hein, pour la dernière. Ok. Allez. Ils sont chiants hein, tous ces soldats là. Oula. Allez. Ok. Fanskis. Très bien. On peut se tailler. Attends. Ah, on peut faire le... Ah, on peut faire ça, là, à côté. Ah, ouais. Enfin, je recrute des soldats aussi. Ok. Je vais attendre. Vous entrez dans le secteur d'Antonio de Fiorentino. Tuez-le et éliminez l'influence des Borgia. À quoi ça rime? C'est le diable incarné, ma parole! Ok. Il faudrait que je trouve un peu un pigeonnier quelque part. Ah y'a, ouais. Vas-y, on va attendre que ça remonte. Après je peux. Mais qu'est-ce qui lui prend de faire ça? Non. Ok. Il est là lui.
Vas-y. Voilà. Allez. C'est lui qu'il faut attaquer. Par contre, non. Ok, très bien. Bien joué, mon petit. Ils m'ont touché, je sais. On va pouvoir aller. Où est-ce que je l'ai dit ? Ok, dégage. Prends le trésor qu'il y a là. Au moins, on aura un point d'observation en plus. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Tranquille. C'est vrai que c'est pratique ces assassins là. Allez. Magnifique. Eh bien, 20 sur 24. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter les bâtiments qui est autour. Là, on a un petit docteur. Allez. Allez. Bon, tu peux. Ok. Petit docteur. Je peux être amputé. Remède, hop. Soigner, hop. Ah, je peux vendre les objets aussi. Non, c'est pas grave. On va aller à la banque. On va prendre un peu les sous qu'il y a à la banque aussi. Sur 10. Pas mal, hein. Ou des comptes, je suis pas mal du tout. Hop. Il se taise. Ok, on va prendre une petite recrue, là. Voilà. La libération de Rome a commencé. Vous m'avez sauvé. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Ok, bon, on va jeter ça. Un tailleur. Et là, je vais lui vendre des trucs. Je vais lui en acheter. Ah. Ah, pas mal tous ces trucs là. Et four amélioré. Sacoche de bombe, ok. Carquois moyen. Ok. Bon, sans regarder. On va vendre ça. Ok. Vous ne regretterez pas votre achat, je vous l'assure. Très bien. Ensuite, il y a l'écurie qui est juste là. Magnifique. Oh.
Très bien. 7 sur 9. Il y a un forgeron pas très loin. Allez. Ah, il y a pas mal de choses encore. Alors, attends, forgeron, il est où? Bon, là, déjà, il y a le... Le voyage rapide. Qui est là. Le forgeron, il faut qu'il y aille en plus. Allez. 15 sur 18, tunnel. Allez. Magnifique, on va réparer notre armure. Vous ne trouverez... Réparer. Ok. Alors. Ok. Ok. Lancer. Okay. Magnifique. Venez nous voir. Et il y a le marchand d'art qui est juste là. On va acheter des... Okay. Carte au trésor. Ok. Grazie. Revenez quand vous voulez. Mais voilà, on a tout acheté là. Ce qu'on va faire... La mission est juste à côté. On n'est pas très loin. On va y aller. Et on va pouvoir continuer tranquillement. Ok, ça il m'a pas vu. Ils sont chiants un peu. Non mais on va voir un petit peu s'il est content. Allez. Donne-moi une de ces misérables armures. Toi, tu n'en auras pas besoin. Quoi? Ça fait partie du plan. Tu es notre prisonnier. Et nous te conduisons au baron. Je vois. Et après? Tes hommes attaqueront à mon signal. Bene. Maintenant, va te changer. Le jour va se lever. Allez, allez, en formation. Ok, arrêtez des mercenaires à tenir la forteresse française de la caserne de la garde prétorienne. Bon, on est des Français. Suivez Bartholomew et ses mercenaires. Youb, ah, il est là, ok. Donc allez, on va le suivre. Bon les gars, si on va pas plus vite... C'est long ou pas? Bon. On va le suivre, hein. Voilà. On est devenus des Français. Okay.
Très bien. Ok. Il faut suivre le chemin de patrouille. Sinon, les hommes du baron finiront par se douter de quelque chose. Le baron pense que Cesare laissera les Français régner sur l'Italie. Ces misérables dégénérés se laissent aveugler par les quelques gouttes de sang royal qui coulent dans ses veines. Mais il est loin du compte. Cesare se moque bien des Français. Il veut la couronne. Ok. On va continuer. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais il les tuera. Les ennemis droit devant. Ok. Okay. Même si je n'aime pas recourir à de tels stratagèmes, je préfère le combat. C'est toujours le meilleur qui l'emporte. Ok, je compris. Ce n'est pas un style qu'affectionnent Cesare et le baron. Un jour viendra où les hommes respecteront enfin leurs semblables. Alors nous verrons vraiment ce que lui. Allez, avance, les gars, sérieux. J'ai déjà entendu ça. C'est ton père qui l'a écrit autrefois. Je vais m'occuper d'eux. C'est juste à mon avis. Il y a un tueur en liberté. C'est de la folie. Ils ont tous perdu la tête. Ok. Puisse la fortune favoriser notre héros et que sa colère fonde. Il débusquera ses infâmes scélérats et les enverra dans l'autre monde. Allez. Non, mais non, putain. Oh, ça a bugué. À chaque fois, ça va faire ça. Oh, c'est incroyable. Allez. J'aimerais que le sol se dérobe sous les pieds des Borgia et qu'ils se retrouvent en enfer. Bon. Cet homme illustre protège les pauvres contre les puissants. Il donne de l'espoir aux femmes. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Oh c'est... Arrête. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ah, c'est devenu n'importe quoi.
C'est pas bon. C'est vraiment une mission d'enculé quand même. Oh mais c'est incroyable. Hein. Avec l'assassin sur leur trace, ils n'ont plus beaucoup de temps à vivre. Le peuple doit se réveiller. Allez. Justice, justice. C'est en ton nom qu'il vient à nous. Nos prix sont saines. Ah mais même casse les couilles. Pas que ça ferme, hein. Ouais. Ok. Arrêtez avant qu'il nous attaque. Allez. Ok. Ça c'est fait. Alors. Allez. Que venez-vous faire ici? Mes soldats conduisent le capitaine italien à son excellence le baron. Il veut se rendre. Et qui me dit que vous êtes des nôtres? Vive la France! C'est bon, ouvrez! Quel acteur! J'ai connu quelques actrices à Florence. Ok. Ah, caserne garde prétorienne. Ok. Allez. Chien d'Italien. Allez, allez. Regardez-le! Il a honte de ce qu'il est! Poussez-vous, hein? Alors. Général Dalviano. Vous avez entendu la voix de la raison. Ça suffit, sale lâche! Relâche ma femme! Une telle arrogance est tout à fait déplacée venant d'un homme de si petite naissance. Ma famille est plus noble que la tienne! Ton nom, lui, ne représente rien! Comment osez-vous? Tu penses qu'être à la tête d'une armée te confère la noblesse? La noblesse, on l'acquiert en luttant aux côtés de ses hommes! Pas en enlevant une femme pour fausser l'issue d'un combat! Montre que t'en as dans le pantalon et relâche ma femme! Ces sauvages sont irrécupérables. Ok. Allez. Allez. Vas-y, on va gonfler les gars. Allez, c'est vous. Ok. Ok. Très bien. Ezio, tu dois sauver ma femme. Passe par les toits.
Ok, assassiner le baron de Valois en le prenant par surprise. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on continuera la prochaine fois. Donc en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de Assassin's Creed Brotherhood. Allez, peace, prenez soin de vous.